Je représente la MAF, la Mission Aviation Fellowship. C'est une ONG internationale donc qui regroupe 17 pays dans le monde qui ensemble mettent leurs ressources financières, humaines en commun pour faire fonctionner 26 bases dans le monde. Et notre raison d'être, c'est d'utiliser l'avion, la technologie, pour aller aider les populations qui se trouvent, qui habitent dans des lieux isolés ou difficiles d'accès. Donc nous travaillons en partenariat avec plus de 1500 ONG, organisations dans le monde, pour les accompagner, pour transporter leur personnel, du matériel, pour aider les populations locales. Alors, ça peut prendre différents aspects. D'abord, par exemple, en transportant du personnel médical. L'intérêt, c'est que ça permet aux médecins de faire des tournées donc, avec l'avion dans plusieurs villages, sur une zone étendue, dans un temps relativement court, ce qui leur fait gagner du temps et qui évite surtout aux hommes et aux femmes qui habitent dans ces régions isolées de marcher pendant une journée ou deux pour rejoindre un hôpital de brousse. Ça peut être aussi, dans les cas d'urgence, de faire des évacuations médicales. Parce que si vous habitez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans un village, dans la montagne, il vous faut 2 jours pour rejoindre un hôpital. Avec l'avion, en 1 heure, vous êtes pris en charge et ça permet de sauver des vies. Un autre aspect, c'est le transport de personnel et de matériel pour les ONG. Pour beaucoup d'ONG, de faire des kilomètres, de faire 200, 300, 500 kilomètres sur des pistes, notamment pendant la saison des pluies, c'est extrêmement difficile et extrêmement long et fatigant. On assure le transport par l'avion. En 1 heure, 2 heures, ils sont à destination et ils ne sont pas fatigués. Ils ont leur matériel, ils sont en bonne santé et ça leur permet d'être plus efficaces au service des populations pour lesquelles elles interviennent. Et puis un autre aspect aussi, c'est l'aspect communication. Depuis longtemps, nous avons utilisé ou installé des moyens radio pour communiquer donc, avec nos pilotes, mais également pour communiquer avec des villages isolés pour qu'ils puissent faire appel à des secours, mais aussi pouvoir communiquer entre eux. Et donc ça a évolué aussi, puisque maintenant nous faisons aussi de la transmission de données par internet, etc. Donc ça, c'est aussi un autre aspect. Et nous sommes présents donc dans 26 pays, principalement en Afrique, mais aussi en Asie, où nous avons des bases avec des équipes internationales, avec du personnel local. Et donc nous avons des pilotes expérimentés, bien entendu, puisqu'il s'agit du pilotage de brousse, donc dans des conditions, un environnement un peu plus hostile. Mais nous avons également des équipes de mécaniciens, des logisticiens, toute l'équipe qui permet de faire fonctionner, qui permet d'apporter un service et qui permet surtout d'avoir un impact auprès des populations. Le fait d'habiter dans certains endroits du monde fait que l'on n'a pas accès ou difficilement accès à l'éducation, à la santé, à d'autres choses. Et donc, nous voulons pour les sortir de leur isolement. Et pour cela, eh bien, nous construisons, nous mettons en place des pistes d'atterrissage assez sommaires, on va dire, avec la population locale, dans des endroits parfois un peu difficilement accessibles, d'où la nécessité d'avoir des pilotes expérimentés pour pouvoir atterrir dans les endroits difficiles. Donc nous utilisons principalement des avions du type Cessna 206, 208 Caravan, qui a une taille qui permet de faire le transport dont on a besoin et qui permet surtout d'atterrir et de décoller sur des pistes relativement courtes. Notre raison d'être, c'est de transformer la vie, d'apporter une espérance et de venir au secours de ces hommes, de ces femmes qui habitent très loin. Et nous fonctionnons aussi parce que nous comptons sur la générosité, sur les mécènes, sur les dons, parce que les populations locales n'ont pas les moyens de se payer l'avion, bien entendu, pour pouvoir transporter un enfant jusqu'à l'hôpital. Et bien c'est pour cela aussi que nous comptons sur des donateurs, des mécènes qui peuvent nous aider à accomplir notre mission et à aider tous ceux et toutes celles qui ont besoin de notre aide, besoin d'accéder à des services qui sont pour nous, Européens, très communs. Pour eux, c'est toujours une épreuve, une barrière à franchir. Et c'est pour cela que nous sommes ici, nous utilisons l'avion pour franchir les barrières et pour pouvoir
les sortir de leur isolement. Alors nous, notre organisation s'occupe exclusivement de la partie transport. Nous n'avons pas des médecins ou des infirmières. On assure le transport, que ce soit de médicaments, de nourriture, de personnel, de médecins, mais ils ne font pas partie de notre organisation.